Eh bien salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo un peu spéciale. Pourquoi je dis que cette vidéo est un peu spéciale? Parce qu'elle change de d'habitude dans le sens où actuellement je suis en train de filmer des trajets en transport ou on va dire en voiture. Et donc du coup, pour cette fois-là, j'ai été invité par Christophe Brand à venir faire le tour du 208A. Alors, Christophe Brand, je vous en avais parlé déjà dans mon top 10 de mes youtubeurs préférés et je vous avais expliqué que je l'avais rencontré plusieurs fois IRL. Et donc, du coup, on fait en ce moment quelques vidéos ensemble. Et donc, du coup, il m'a invité pour venir faire le tour du 208A tout simplement. Alors, pourquoi j'ai accepté? Déjà, ça me permet de vous faire une petite vidéo, on va dire, dans Champigny, déjà pour commencer. Et ensuite, je me suis dit que ça pouvait être un test pour vous montrer également ce que j'aimerais faire avec les balades en vélo. Alors, actuellement, les images que vous voyez ont été tournées avec la Canon EOS 750D, hein, comme d'habitude. Simplement pour quand je ferai les balades en vélo, ce sera à la GoPro, hein. Pourquoi je dis quand ce sera à vélo? Tout simplement parce que le vélo un problème à la roue arrière, notamment de crevaison, et je ne peux pas le faire réparer pour l'instant parce que j'ai ni les outils nécessaires pour le réparer, ni on va dire l'argent nécessaire pour aller dans un magasin de réparation de vélo pour faire réparer cette roue-là. Alors, également en parlant de balade à vélo, pour revenir au trajet, on est actuellement au pont de Champigny. Et comme vous pouvez le voir, c'est assez les bouchons, on va dire, puisqu'on était plus ou moins en heure de pointe, puisqu'il commençait à être dans les coups de 16h. Donc à 16h, il y en a qui commencent à rentrer un petit peu de boulot. Mais on va dire que c'est pas là où c'est le plus important. C'est vers 17h où là c'est le plus important. Donc, le trajet consiste à faire Champigny RER à Place de la Résistance, comme je l'ai expliqué à ce niveau-là. Et vous allez voir que, on va dire à cause des bouchons, bah, ça va être comme ça jusqu'à mairie de Champigny à peu près. Et après, le reste du trajet, ça va circuler beaucoup mieux. Alors, autre petit. Je voulais faire une petite parenthèse également au niveau de la chaîne YouTube et de la chaîne secondaire. Pourquoi? Parce que j'aimerais reprendre en main la chaîne secondaire, notamment en vous proposant soit des best-of, des streams comme on faisait jusque-là, puisqu'il y a eu Daryl qui nous avait monté un petit best-of et puis moi j'en avais monté un également en faisant avec les clips que vous nous aviez envoyés. Donc je me dis que ça peut être une solution pour faire, on va dire, une forme d'interaction pour les vidéos, étant donné que c'est vous qui choisissez les clips, etc. Vous me les envoyez soit sur Twitter, soit sur Discord. Ça dépend, hein. D'ailleurs, lien Discord en description, je tiens à le préciser. Et du coup, c'était soit cette solution-là que j'aimerais reprendre pour la chaîne secondaire, soit vu que pour l'instant, au niveau du stop motion, on va dire que je peux pas trop avancer pour l'instant, parce que je n'ai qu'une seule lampe, on va dire, qui éclaire pour faire le stop motion, et malheureusement les autres ne sont pas assez puissantes pour le faire. Je me dis pourquoi pas vous faire des mock Lego Star Wars, ça peut être bien à ce niveau-là, ça me prendrait un peu plus de temps à les faire. Ces vidéos mock seraient certainement sous forme de timelapse, mais voilà, je me dis que ça peut être bien d'en faire quelques-unes, pas tout le temps, puisqu'il y aurait les vidéos gaming également qui seraient sur la chaîne secondaire. Mais je me dis pourquoi pas vous faire de temps en temps quelques petits mocks Lego Star Wars, vu que sur la chaîne secondaire il y aura le stop motion quand il sera fin prêt. En tout cas, voilà, dites-moi un petit peu ce que vous pensez de ce format-là, on va dire avec la voix off, si ça peut être intéressant ou pas. En tout cas, j'ai suivi vos conseils comme vous me l'aviez demandé de faire une voix off pour les prochaines vidéos. Puis voilà, donc dites-moi si ça vous si vous aimez ou pas, laissez un commentaire, n'hésitez pas à liker si ça vous plaît ce format-là, et n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous laisse avec le reste du trajet, le tout en musique, comme ça vous avez aussi une partie
un petit peu musique. Je vais essayer de pas mettre la musique trop fort pour vous ennuyer. Mais en tout cas, voilà, dites-moi quelle, on va dire, formule de vidéo vous préférez. Si c'est full voix off, alors si c'est full voix off, faut vraiment que je fasse un script pour vous expliquer un petit peu le trajet, un peu plus en détail, vous expliquer la vidéo en entière, ce genre de choses. Et si vous préférez que ce soit full musique plutôt que ça, bah dites-le moi en commentaire. Je vous mettrai certainement un sondage également pour savoir ce que vous préférez pour les vidéos de la chaîne secondaire. Et puis, du coup, voilà. Sur ce, je vous laisse avec la fin de la vidéo. Et puis, bye tout le monde!
Bye.